répétition de théâtre. Merde, ça marche pas. Qui a écrit que les théâtreux étaient imbus d'eux-mêmes et se croyaient au-dessus des autres, eh bien, tu as eu raison. Les répétitions, ça se passe bien. Je trouve tout le monde gentil avec moi. Ça me fait plaisir parce que j'avais peur de faire des jalousies, tu vois. Ouais. Pour mon importance. Moi aussi, je trouve ça super beau, mais vu que je suis la plus belle, voilà. Alors, je suis très contente de cet Oscar. Ça me fait très plaisir. De loin, la meilleure, et je me sens jugée. En même temps, c'est normal. Nous avons plein de qualités. Nous savons être sérieux à chaque répétition, en fait. Bonjour, Paul Joyeux. Désolé, Florent, je ne vois pas d'Emmanuel avant vous. Nous savons jouer des émotions à la perfection. Nos discussions sont structurées, poussées et la plupart du temps même philosophiques. Allez, tu vas rejoindre. Je fais des gros plans sur le visage des gens, en fait. Beaucoup d'entre nous ont un talent fou pour la musique, pour le chant. Dans le métro, non. Il fait beau dans le métro, il fait beau dans le métro. Nous savons être ensemble et en rythme, dans les mêmes tons. Arrête ! Arrête ! Plus fort ! Vous êtes jolies, mes filles. Ça fait le bac. Surtout, nous nous aimons d'un amour inconditionnel et nous savons nous le montrer. Grimace, Lucas. Attends, je suis en train de mourir. Si je le mets pas, ça va pas être trop beau. Mais non, c'est pour nos enfants. Ah putain. Je recherche Yann. C'est pour nos enfants. Mais il va pas me faire. Yann Paul. Laisse-moi. Vous êtes des fascistes. Vous êtes des fascistes. Oui. Ah, on fait comme ça. Yeah. Ah là là. Flo, tu mets bien. Bon voilà les
les gars, c'était une petite vidéo backstage avec les rares images potables que j'ai su récupérer. Merci Pyjama pour tous les trucs foireux que tu m'as fait. Génial. Et l'année prochaine, je vous aime pas.